amis, et lui, pas de nouveau vlog, bien sûr, à liker. Et vous avez vu une nouvelle vidéo News Farming, ça va tout l'un des derniers news qui vont tomber, parce que aujourd'hui, on va pas l'avoir d'une News Farming. D'ailleurs, je pense que les youtubeurs ils vont pouvoir jouer dès aujourd'hui, ils ont peut-être bien joué, découvert le jeu, donc peut-être pour ça que la vidéo News peut-être à ça, peut-être pour rien. Mais justement, on a un des pouces bleus à vous abonner, une cloche, ça fait un plaisir. Et maintenant, on va parler à propos du travailleur de l'IA dans Farming Simulator 22, ok? Besoin d'un coup de main sur votre ferme. Si vous n'avez pas d'amis, ne sont pas actuellement disponibles pour vous rejoindre pour une session de crossplay, par exemple, on a parlé déjà du crossplay. N'hésitez pas dans l'anglais playlist, parce que c'est dans l'anglais playlist et ça parlera du crossplay. Dans Farming Simulator 22, vous voulez peut-être embaucher un travailleur. Depuis, nous avons montré une capture d'écran il y a quelques mois. Vous posez des questions sur cet écran indiquant de travailleurs de l'IA. En effet, nous rencontrons l'information puisque nous travaillons sur cette fonctionnalité jusqu'à la dernière minute. Voici un petit aperçu maintenant. Donc là, ils sont en train de travailler sur l'IA. J'espère qu'ils ont été bien finis là. Hein. Ça se peut, alors, ça se peut, c'est fini parce que la vidéo était sortie, la vidéo news, mardi. Bon, ça se peut qu'ils ont peut-être fini ce travail là, ça se peut. Bah, je pense qu'ils ont fini parce que les youtubeurs ils reçoivent le jeu là demain. Donc normalement, je pense que ça va finir. Peut-être eux, la version, peut-être à eux, sont pas réellement finis. Mais vraiment, eux, lundi, ils seront finis comme nous. Ok. Rencontrer le travailleur semi-autonome. Ah bah j'espère comment que ça va. Via le nouvel écran de travail AI, vous gérez tous vos travailleurs. Il s'agit plus de seulement de cliquer sur un bouton pour laisser dépasser la tâche, mais vous le faites actuellement vous-même. Vous pouvez toujours laisser un travailleur dépenser votre action actuelle comme cultiver cependant. Ce n'est pas tout. Maintenant, comment cela fonctionne-t-il? Ah bah c'est le but, hein. Comment ça fonctionne cette fonctionnalité de travailleur de l'IA? Comment fonctionne cette fonctionnalité de l'IA? Sur l'écran de AI Worker, cliquez sur n'importe quel véhicule, machine et sélectionnez une tâche. Cela vous permet de sélectionner l'une des actions suivantes afin par votre travailleur ou que vous souhaitez l'envoyer, vous choisir une station de téléchargement spécifique ou placer un marqueur sur la carte. Ok, alors c'est quoi les fonctionnalités? Parce que là on va parler. Il y a écrit Aléa, travailler sur un terrain, livrer l'heure et délivrer. On va déjà regarder le premier. Aléa, conduire une machine, véhicule à une destination spécifique. Travailler sur le terrain. Effectue une tâche associée à la machine de l'emplacement cible. Livrer. Livrer les récoltes à la station de déchargement sélectionnée peut être bouclée. Ok. Et loader, livreur. Charge les marchandises dans une station et livre à la suivante peut-être être bouclée. Si vous utilisez le looping, les travailleurs répéteront, continueront la tâche tant qu'il y aura quelque chose à faire. S'il n'y a plus le blé dans le signaux à livrer à la boulangerie, il s'arrêtera. Ok. Amélioration au fil du temps. Ok. Donc ça veut dire... Alors là, je vois pas trop comment que ça va fonctionner. Et il y a quand même pas mal de trucs, pas mal de fonctionnalités qu'on va découvrir. Je pense qu'en 2022, d'ailleurs, cette fonctionnalité-là, le jour de la découverte, on découvrira avec vous, en live d'ailleurs, dès lundi soir, hein, en live sur la chaîne YouTube, à 19h45, donc on découvre 2022, parce que moi, je l'ai pas en avance comme YouTubeur, donc on découvrira lundi, ensemble, avec vous, sur la chaîne, puisqu'il y a une... Enfin, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, donc, avant, on a délivreur, véhicule, et ça veut dire qu'on va pouvoir... je pense qu'on apprendra vraiment ce style. Parce que là, toi, il y a plusieurs icônes. Là, vous avez, il y a des icônes. Là, les icônes. Il y a pas mal d'icônes, bah, même là, hein, même aussi. Donc voilà. Ah, il y a comme deux champs. Il y a comme déjà 72 champs. Non, même 77 champs. Ah, déjà sur la map, je crois que c'était la map M-Click. Et d'ailleurs, on découvrira la map Obelon et la map M-Click. Je pense que le premier jour on découvrira Obelron et le deuxième jour M-Click. Ok, puis la Gratte, on croise sur Duo Farming, etc. Un marin le jeudi. Et mardi, ça sera ferme de base. Ok. Et voilà.
Voilà, donc on va pouvoir emmener le 70-10, ok, donc ça va être pas mal. Donc on va pouvoir faire beaucoup de choses, d'ailleurs on apprendra parce que ça va nous aider aussi pour ferme de base. Parce que bah aussi, voilà, nos fermiers, mais surtout ferme de base. Parce que des fois, bah, alors est-ce qu'ils vont prendre de l'argent? Ça serait peut-être logique qu'ils prennent de l'argent aussi. C'est comme si on met un ouvrier, toi, ils enlèvent un peu d'argent, toi. Et voilà. Ça serait un peu logique, je pense, qu'on ait ça marcher comme ça. Ok, donc ça va marcher ça, no looping. Donc je pense qu'il faut l'emmener à la station et puis il faut qu'il livre là-bas, je pense. Je pense que c'est un truc comme ça. Mais bon, on verra quand ça a fonctionné, ne vous inquiétez pas. Je verrai. Nous optimiserons continuellement le travailleur de l'IA à l'avenir. Car le système complexe ne doit pas seulement prendre en compte les différentes nouvelles fonctionnalités de gameplay de fin 2022, mais aussi la grande modalité de notre jeu. Nous ferons notre mieux pour améliorer la fonctionnalité et nous attendrons déjà vos commentaires. Et ben, voilà, je vous mets un petit commentaire, Farmin, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vous mets un petit commentaire, n'hésitez pas à mettre le commentaire dans la description, le commentaire dans la, bah, sous la vidéo. Voilà. Ok, bon, ouais, vraiment, voilà, le grand lamping, ça vous emmènera. Voilà. Et donc, une petite miniature de 70-17, c'est stylé. Par contre, une miniature stylée. Bah, je prendrai pas ça, je prendrai la miniature avec la carte, parce que, voilà, que ça, bon, ça donne envie, mais bon, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Et Claude, il est un peu par rapport au sujet. Ok. Bon, voilà, au moins, ce petit tracteur John Deere 70-10. C'est stylé comme voiture, c'est stylé. Ok, dernière chance d'obtenir votre bonus de précommande. N'hésitez pas à précommander d'ailleurs, hein. Donc sur Steam ou voilà, sur Steam, sur des jeux ou sur le site Farming directement. Donc n'hésitez pas à précommander parce que vous avez jusqu'à dimanche soir. Vous avez jusqu'à, je vous le lis, même pas lundi, dimanche. Jusqu'à dimanche soir pour le précommander, les gars, pour voir ce pack. Hein. Ok? Enfin, 22 sortira le 22 novembre sur PC, Mac, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, Xbox One et Google Stadia. Prenez maintenant pour recevoir gratuitement le pack Xerion Startrack. Je pense qu'après le pack Xerion Startrack, il sera très bien payant. Donc, si vous voulez voir gratuitement, c'est dès maintenant là. Précommandez, c'est jusqu'à dimanche soir. Il y a aussi maintenant le Season Pass 1 et 1. Bon, ça, je vais pas le prendre, hein, évidemment. Ça, je vous pouvez pas prendre, mais au moins, précommandez le jeu. Besoin de nouveaux contenus pour 2022 et économiser de l'argent en plus de l'avantage du prix. Du Season Pass par rapport à l'achat du contenu séparément. Vous aurez encore plus d'argent en précommandant. Voilà. Ok, voilà. Donc, voilà, petite vidéo. Voilà, je voulais vous la remettre vite fait. Je vais vous la remettre vite fait, la petite vidéo. Le prix mobile de précommande. Je vais vous la remettre. Voilà, pour que vous voyez. Non, mais c'est pas possible. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous laisse avec le. Ok, allez, c'est fini. Moi, je pense que vous n'avez jamais vu la vidéo. Hein. Je crois que ça ne me rappelle pas. Peut-être que vous en avez déjà regardé. Mais bon. Donc, voilà, on se souvient de l'IA. Voilà. Et puis, demain, on parlera. Alors, ça, je ne pense pas que ça doit parler. Ok. Donc, après, vous avez de Nvidia DS et DR. Ok. Ça, on verra sa vidéo demain. Au lancement. D'ailleurs, ça vous intéressera. Ok. Voilà. Voilà. Bon, les amis, j'espère que ça vous aura plu. Merci. Merci à tous d'avoir un petit pouce bleu. À vos amis, comme ça, c'est fini. Bonne journée à tous. Peace et puis gamin, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos. Ça fait excellent plaisir. Bonne journée à tous. Peace. Et demain, collection fichier, dernière vidéo des collections fichiers avant bah, la sortie du jeu. Parce que les années, c'est jusqu'à la sortie. Et demain, c'est les dernières. Alors, la collection de fichiers. Voilà. Donc, passez une très bonne soirée. Bonne journée à tous. Peace.